Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme promis, une vidéo réaction à toutes les fins de FNAF Security Breach. Du coup, on remercie Ruben925. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y en a 6. Ok, ouais, il choisit de partir. Ah oui, d'accord, c'est direct la fin, oui, du coup, forcément, si tu choisis de partir direct. Grégory cure, il s'en va. Ça peut pas bien se finir. À mon avis, c'est la fin la plus simple. Ça peut pas bien se finir. C'est sûr et certain que ça se finit pas bien. Mais qu'est-ce que... Mais il a pas de parents, Grégory? Il a pas de maison? Ah mais attends, mais... Oui, parce que... Attends... Oui, il y a plein de gosses qui ont... Non, en fait, il y a plein de gens, pas que des gosses, qui disparaissent, non? Parce que j'avais cru comprendre que plein de gosses disparaissaient dans le... Dans le Pizzaplex. Mais oui, mais du coup, elle peut partir, vu que c'est pas un animatronique. Et donc, Et donc, ça se finit juste comme ça? Non! Juste ça! Ah non, c'est pas terminé. Attends, mais... Mais qu'est-ce que... Attends, mais quoi, mais c'est une autre fin, ça... Ah, mais oui, c'est une autre fin. Grégory et Freddy partent en road trip? Quoi? Mais comment on débloque cette fin? Je veux cette fin, moi! Mais quoi? Mais attends, mais... Mais... C'est quoi, ce bordel? Comment on débloque cette fin? Genre, il y a un van du Pizzaplex? Et comment Freddy, il peut rester chargé du coup? Peut-être que le... Mais peut-être que justement, ouais, ils volent un van du Pizzaplex et que du coup, il y a une station de recharge dedans. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, d'accord, carrément. Attends, mais elle est trop super, cette fin! C'est genre, tu résous aucun problème, mais tu vis ta meilleure vie. Mais quoi? Mais il a le permis! Grégory! Ah non! Ah non, en fait, il n'y a pas de station de... Non! Non, mais... Mais non! En fait, je veux pas cette fin, elle est horrible! Mais... ok... Ah mais oui, mais avec la batterie de la voiture, il peut le recharger? Genre, ça marche comme ça? Est-ce que Freddy est branchable en USB-C? Par hasard, ce serait peut-être pratique, non? Oh yes! Mais en fait, mais c'est trop bien! Cette fin est trop cool! J'adore! C'est trop bien! La nouvelle tête du Pizza Fazbear Entertainment. Oh mais... Wow! Ils ont remplacé Freddy par un hippopotame! Ok, super! Ils ont dû être contents, tous les employés qui sont revenus le lendemain au Pizzaplex, avec l'état dans lequel j'ai laissé les animatroniques. Je dis « je » comme si c'était moi qui avais réussi à accéder à cette fin. Non, j'ai pas réussi. Et ça, c'est quoi? Freddy fout le feu au Pizzaplex? La fin du toit? On s'échappe par le toit? Qu'est-ce que... Mais je me demande vraiment comment on débloque ces fins-là, hein. C'est très étrange. Ouais, parce que peut-être que Grégory s'en va et... Et du coup, Freddy fout le feu au Pizzaplex après. Mais genre... Mais attends, mais... C'est censé être un animatronique qui est là pour faire de la musique pour les enfants. Pourquoi il a un putain de chalumeau sur le doigt? C'est quoi ce bordel? Sérieusement? Ah mais du coup, ouais, mais là, par contre, Freddy, à mon avis, il peut pas te suivre, hein, Grégory. À mon avis, là, c'est... C'est mal barré. Sauf qu'il tombe sur Vanny. Et du coup... Oh, elle va le jeter d'en haut du toit, c'est ça? Classique. Normal. Tout le monde adore balancer... Ah! Ah mais oui, en fait... Avec la magie de... Ouais. En fait, c'est l'heure de manger des chocolats. En fait, c'est pour ça qu'il pouvait pas voir Vanny, parce qu'il avait pas encore les yeux de l'autre conne. Et du coup, il va casser la gueule à Vanny et genre la balancer d'en haut du Pizzaplex. C'est ça qui va se passer? Mais c'est gigantesque ce truc en fait. Oui! Non! Ok, je suis hyper impliqué comme si c'était moi qui venais de jouer, mais en fait... Et donc Freddy meurt dans cette fin là aussi. Bon, pour l'instant, la seule fin heureuse, c'est celle où ils partent en road trip. Hein. Ouais, nickel. Super. Et là, on découvre que c'était Vanoche! Mon dieu. Mais Grégory, t'aurais pas pu le deviner? Vanny! Vanessa! Vanouche! Évidemment! Ok, mais attends, mais... Mais quoi? Attends, mais quoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Attends, mais... Comment ça se fait que Vanessa, elle soit morte en bas et elle soit vivante en haut? Méga Pizzaplex brûle tout le sol. Oui, ok, celle-là, c'est celle que j'ai eue. Ok, donc on n'a pas besoin de la regarder. La cinquième, c'est Freddy, Grégory et Vanessa survivent. Fin heureuse. Complete All Princess... Attends, quoi? Complete All...
3 Princess Quest. Ah mais attends, mais j'avais vu des notes qui parlaient de... C'est genre un jeu sur les bornes d'arcade, ça. On pouvait jouer aux bornes d'arcade? Je savais même pas. Par contre, comment ça, Vanessa survit aussi? Elle est pas méchante, Vanessa, du coup? Ou alors elle est complètement possédée, en fait. Ok, mais je sais même pas où c'est, ce truc-là. Fais voir à quoi ressemble le jeu Princess Quest. Ah, en fait, il y a carrément un jeu dans le jeu. Et c'est pour ça que c'est vraiment débile, ce système de sauvegarde et la façon dont le jeu est foutu. Parce qu'il y a tellement de trucs à trouver qui sont hyper intéressants. Genre, pourquoi avoir privé autant de gens de ça? Je comprends vraiment pas. Mais est-ce que c'est long, ces trucs-là? Parce que s'il y en a trois, c'est un peu des vibes de Zelda. Genre, des vieux jeux Zelda, j'aime bien. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Twitch, je fais des lives sur le dernier Zelda qui est sorti, si ça vous intéresse. Et non, mais attends, mais c'est carrément... Il y a des donjons de Zelda. Mais j'aurais bien aimé faire ça, moi. Et en plus, cette débloquer la fin heureuse, genre vraiment je suis frustré. Ah ouais, mais d'accord. En fait, même les bornes d'arcade sont complètement possédées du fion. J'aime bien. Attends, mais dans cette fin là on a quand même cette cinématique là, genre ça va pas se passer pareil? Ok, ouais, jusque là ça... Ah mais d'accord, ok, il y a le dernier là... J'avais pas vu qu'il y avait une borne d'arcade dans la chambre de Vanny. Ah ouais, donc en fait attendez, mais ça veut dire que regardez la situation, genre ça veut dire que Grégory se tape une petite game sur la borne d'arcade pendant que Freddy est en train de se faire déglinguer en bas, tranquille. C'est flippant, ce truc-là, c'est terrifiant. Ok, ouais, donc c'est ici que ça se termine. C'est terrifiant. J'adore l'idée de jeu en 2D qui arrive à être terrifiant, ça me fascine, j'adore. Ok, du coup, Grégory qui tape sa petite game de... Ah, mais ça a désactivé les robots. Attends, quoi? Je comprends rien. En fait, c'était les bornes d'arcade la clé du truc. C'était les bornes d'arcade qui étaient... hantées. C'était les bornes d'arcade qui contrôlaient Vanny. J'ai... Oh, mais oui, du coup, il a juste sauvé la tête de Freddy et c'est... Ok. Mais du coup, Vanessa est... Et pas méchante? Mais j'aime bien, mais c'est trop mignon ça aussi comme fin. Ok, donc je vais partir sur la supposition que en fait Vanessa était possédée par je ne sais quoi, et que du coup en fait Vanessa est gentille, et Vanessa elle déteste pas les enfants, et juste après ils vivent leur meilleure vie, ils partent en road trip, Vanessa, Grégory, et la tête de Freddy, et ils sont heureux pour toujours, et ils eurent beaucoup d'enfants, peut-être pas, peut-être pas. Mais comme ça Grégory il a une vraie famille, genre Vanessa et Freddy c'est son papa et sa maman. Je veux pas savoir comment il baise, mais voilà. Et du coup, la dernière fin qui nous reste, Afton Final Boss, c'est la vraie fin. Et pour ça, il faut avoir l'upgrade maximum de Freddy, donc il faut avoir réussi à faire le Chica après la fin du jeu. Et il faut aller dans l'ascenseur au Roxy Raceway. Oui, c'est vrai qu'ils ont parlé d'un ascenseur qui descendait dans les entrailles de la Terre et qu'on voyait qu'il y avait déjà eu une construction avant. Mais oui, j'étais descendu ici. Et je pouvais pas passer parce qu'il me manquait l'amélioration de Chica, je crois. Et forcément, ouais, en fait, c'est vrai que j'y avais plus pensé après, mais forcément que ça cachait un truc. Ok... Est-ce que, genre, c'est genre l'ancienne pizzeria et... C'est incroyable, j'adore. Mais est-ce que, genre, pour faire cet endroit-là du jeu, ils se sont vraiment inspirés de... genre, du premier FNAF? Wow... Wow, ok. I am not me. C'est quoi cette merde? Oh là là, oh là là, je crois que Freddy est complètement possédé à cause de cet endroit-là. J'avais peut-être raison sur le fait que Freddy allait devenir fou à un moment. C'est quoi qui est... Attends, mais c'est... Est-ce que, genre, c'est ça, genre, Afton Final Boss? Ce truc-là s'appelle Afton? Parce que je trouve qu'il ressemble, genre, à Springtrap. Ok. Il a pas l'air de beaucoup aimer Freddy. Et ça a l'air de faire déconner Freddy un peu, hein. He is trying to take control of me. Ah ouais, d'accord. Mais ça se passe vraiment comme les jeux FNAF classiques, du coup, en fait. Genre, tu surveilles des caméras, tu surveilles les portes, tu fermes les portes... Look out, it's Chica. Attends, quoi, y a Chica qui descend ici? Apparemment, il y a Roxy aussi. Ah ouais, d'accord. La démarche qu'elle a. Attends, mais il y a des espèces de tentacules qui sortent du sol, là. C'est ultra chelou. Ce jeu donne un peu une explication au fait que les animatroniques soient complètement tarés. Parce que ça, c'est pas des animatroniques, c'est genre y a un truc... Y a autre chose, là. Y a un démon, je sais pas. Y a un portail vers les enfers. La pizzeria, elle est construite sur un portail vers les enfers. Par contre, si cette fin-là, c'est la vraie fin, ça veut dire que c'est ce qui se passe probablement avant FNAF Ruin, le DLC. Et je vous le rappelle, prochaine vidéo sur FNAF, on commence le DLC, d'ailleurs. J'ai très hâte. Ok, j'ai l'impression que c'est... Ah, ok, c'est parti. Donc ça, c'est la vraie cinématique de fin. Oh là là, mais c'est... C'est quoi ce...
Je comprends rien. Je comprends rien, mais je pense que c'est normal. Et du coup, juste, il s'enfuit et tout le monde survit et tout le monde est heureux et... Ok. Oh. Ah oui, et du coup, vu que c'est la vraie fin, ils ont fait une vraie cinématique, pas juste une BD. J'aime bien. Mais comment Freddy fait pour survivre, du coup? Ça change rien au problème que Freddy lui faut de la batterie, quoi. Ok. Eh bien, on remercie encore une fois Ruben925, parce que, du coup, j'ai pu découvrir les autres fins, je suis content. Ça enlève un petit peu de ma frustration. Eh ben voilà, écoutez, je pense que là, du coup, on est bien, et on sera bien à jour pour commencer FNAF Ruine. J'ai très très hâte, je pense que ça va être très cool de redécouvrir le Pizzaplex, mais en ruine, j'ai... Et en plus, le fait que Grégory est censé soit mourir, soit s'enfuir dans toutes les fins. Donc déjà, c'est grave chelou que genre Grégory dise à Cassie de venir dans le Pizzaplex, genre des mois plus tard. Je pense qu'il va y avoir des trucs très intéressants dans FNAF Ruine, j'ai très hâte de voir ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu plus chill que d'habitude, forcément, c'était juste une vidéo réaction. Et je pense que je vais pas trop me faire chier niveau montage, parce que cette vidéo sort pendant la période de Noël et des fêtes. Donc j'ai plein de repas de partout et plein de gens de ma famille et d'amis qu'il faut que je vois et que j'ai envie de voir, et j'ai envie d'en profiter aussi. Donc voilà, la vidéo est probablement plus chill, mais j'espère qu'elle vous a plu quand même, et que vous avez passé un bon moment, et que vous êtes content d'avoir pu découvrir ou me voir découvrir les autres fins de ce jeu. Parce que je tiens quand même à rappeler que j'aime beaucoup le jeu, et je suis désolé si j'arrête pas de répéter encore et encore que je suis déçu. Écoutez, il paraît que pour le DLC, ce sera beaucoup mieux, donc je vous fais confiance là-dessus. J'ai très hâte de découvrir ça avec vous. Merci de suivre cette série de vidéos sur FNAF, et j'ai très hâte de vous retrouver pour la suite. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, parce que la prochaine fois qu'on se retrouvera sur FNAF, ce sera en 2024, je pense. Du coup, amusez-vous bien, mangez bien, buvez bien, et profitez de vos proches. Normalement, en fin de semaine, là, il y aura une vidéo spéciale Noël. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Au revoir.